Bel bonjour la famille, qui j'en azote, qui j'en nous, quel que soit l'azoyer, en cavoué azote, un bel bonjour, et on l'eau chalet, soleil à la Guadeloupe. Alors en cas d'azote, mettez azote cool, mettez azote à l'aise azote, pour ensemble nous baquer au bord bois de Ben Airlines, avec Dofarnab et Lik Fetama en cockpit là. Mi-jeudi, pour premier jour à émission azote, bois de Ben, nous allons célébrer un diva. Il chantait Biguin, Mazurka, Zouk, variété française, musique traditionnelle, et il portait un lot éclat et magie en vie en nous, et bah patrimoine en nous, toute belle théâtre. Elle avait un talent plus grand que l'océan, elle avait grandé à Kéaï, sincérité. Edith Lefel, songez Edith hier, jeudi et demain. Alors mettez autres cool la famille, mettez autres cool pour coûter, apprécier, changer, brainer, danser, à deux ou bien tout seul et commémorer. Je dis là c'est aussi bonnet et l'honneur pourquoi d'avoir nous Kenny. On a artiste avec nous, on a artiste qui a débordé avec talent, qui c'est nous peut dire ça, famille à Edith qui travaille avec mais plus qu'un collègue, nous peut dire que c'est famille à qui qui parle nous de ça et qui dit nous ça. Monsieur Tony Chasseur qui est venu tout à l'heure. Alors, restez branchés en les radios Côte Caraïbe, www.radiocotecaraibe.com. Vous pouvez aussi trapper nous en standard là au 05 90 10 29 45 en cas où vous avez besoin. Contactez-nous, réagis, bay appréciation à Zot en les Edith Lefel, regrettez au 05 90 10 29 45. Et pour moun ki ka suivre nous en les Facebook Live là, vous pouvez laisser des commentaires. Radio Côte Caraïbe en les Orange TV, rubrique Radio Côte Caraïbe, en les sites internet là, Facebook Live, Loïc Cabrion, c'est roulez nous ka roulez. Et là, nous allons écouter un premier morceau à Edith Lefel. Son j'ai morceau là, ça, en hommage aux personnes âgées. Il était qu'à chanter avec Raf Tamar en les premiers albums à lui, SOS Mémé.
Alors, la famille, ils ont toujours dans bois d'ébène. Ils ont sorti écouter SOS Mimi, qui a espéré son morceau, ils ont apprécié. Et dites le fait, c'était un artiste engagé. Et là, ils font hommage à Moun, qui gagne un certain âge parce que c'est débité en l'eau Moun qui vive, solitude. Alors, en tout cas, dis autres, bois d'ébène, c'est émission azote. Ils ont pu participer. Donc, papé, en commentaire, bon nous, appréciation azote, on les édite le fait. En qui genre? En cas poser les autres, deux ou trois questions. Coûtez pour tente pour comprendre. Quelqu'un vient dans l'esprit, les en cas nommé nous à Edith Lefel. Qui souvenir, qui image? En qui genre ou t'es qui écrit ou t'es qui décrit Edith Lefel? Et pour monde qui peut crier nous directement au 05 90 10 29 45, fredonner un morceau à chanson à Edith Lefel. Et écoutez ça, qui morceau a Edith Lefel ou s'y mettant ou bien ou préféré et dis-nous pour qui. La famille était bien branchée parce que tout allait, nous avons un invité qui compte qu'a dit tout à l'heure là, c'est famille à Edith Lefel. On collègue, on amis, on famille, et qui ban nous appréciation à en l'air Edith Lefel et qui parle nous d'actualité à mais c'est Tony Chasseur. Là, nous caï baqué à dans menu là, menu à émission là. En caï présenter les autres Chimes étoiles. Chimes étoiles, c'est biographie, parcours à Edith Lefel, VI, messager, citation. Edith Lefel tenit un long message. Il t'a livré à dans chanson à, et aussi à dans interview et à dans VI. En qui bazote des extraits à Saïdinou. Et dis-nous, bonne nuit, pour moun qui répond à ces questions-là par rapport à Edith Lefel, en cas il lit réponse à zot. Là, nous allons continuer voyage en nous avec Edith Lefel ensemble. Nous allons écouter un bel morceau, parce que c'était un artiste engagé avec des sujets sensibles et profonds, mais c'était aussi des textes avec un lot de sentiments. Premier l'amour, tout le monde y a un premier l'amour, et pas? Alors, nous pouvons écouter ça. Pas hésiter. Hein. Si vous avez à casa, poussez bébé à zot, dansez, qu'ils ont tout seul, qu'ils ont à plaisir, qu'ils ont à dé, et qu'ils ont dehors, mettre musique à zot à fond, et danser en laissant, apprécier, écouter parole là. Premier, l'amour, Edith Lefel.
Edith Lefèvre, le premier l'amour, qui j'en ai apprécié musique là, ça. Il belle. Alors, quand tu es qu'à 10 autres, je peux bon moins appréciation à autres, on les Edith Lefèvre, hein, car vous répétez, Zoni, des questions que je peux répondre à Gouaké à autres, en commentaire, Kaikavine, en l'esprit à eux, les nous qu'à nommer nom à Edith Lefèvre, qui souvenir, qui image, et en qui j'en, où t'es qu'à décrit, Edith Lefèvre, et pour moun ki ka kriye nou au 05 90 29 45, zopé fredonné un morceau à chanson à Edith Lefèvre et toujours à Gouaké Azote, parce que c'est émission Azote, zo à Kaz Azote, à Radio Côte Caraïbe. Et dis-nous, voilà, avouez-nous, qui morceau à Edith Lefèvre ou s'y mettant et pour qui? Chimènes étoiles. Chimènes étoiles, c'est pas au courant, artiste. C'est détail à vie, ça y fait, là y fait. Avec qui mouni collaborer? Chimènes étoiles, parce que Edith Lefèvre, c'est 11 étoiles, et 11 étoiles qui toujours là, y aller, mais y toujours qu'à briller. Chimènes étoiles, parce que Edith Lefèvre, pour moi, et pour un long monde, c'est une star internationale, qui chantait en Afrique, en France, en Caraïbes là, en Guyane, en Afrique, l'océan Indien. Alors, Edith Lefèvre, fête à Cayenne le 17 novembre 1963. Maman, c'est Moun Guyane et papa, c'est Moun Martinique. Prénom, Kavine, par rapport à un mauvais temps qui ravageait la Martinique en 63, même l'année là, il était fait là. Ouagan, Edith. C'est maman. Il est allé en France, le voit, il était 14 ans. Mais avant ça, il était en Martinique. Allô? Bien Oh. ici Ah en Côte Caraïbe. oui, bonjour. Oui, c'est bien Bonjour. ça. Voilà, j'ai bien apprécié Oui. la chanson d'Edith Lefèvre. Ah, c'est Et ce formidable. qui me revient à l'esprit, c'est cette chanson qui dit toujours Léo, comment c'est vieilli, ça raide. Vous Effectivement. commencez à vivre tout seul. Oui. Mais ou pas présenté, ou dis-nous qui prénom Ah, moi, a je suis et Joseph Cabrion. Ah oui. Voilà, et au cas criez nous de qui côté exactement? À Cacrieur, Bouillac, particulièrement de Monchy. Ah d'accord, ben nous qu'a dit tout le monde Monchy, bel bonjour. Ouais, bel bonjour tout le monde Monchy. Et nous comptons recevoir aujourd'hui là parce que c'est émission à tout le monde, en émission nous qu'a émettre des pieds bouillantes. Et dis-nous, morceau là, ça nous tend nous chanter, il était belle. Réponds-nous un petit morceau à chanson là. Léo, comment c'est vieilli? Nous qu'a écouté. Léo, comment c'est vieilli, ça raide. Ou commencer à vivre tout seul. Mais bon, après, on va rappeler bien, bien, bien. Mais en tout cas, ça a chanté là, c'est des paroles qui sont vraiment profondes parce que on l'a moun qui a vécu des situations comme ça, l'âge là qui a passé, ben on l'a moun qui a parti. Et puis parfois, c'est moun n'a pas là, mais il faut justement qu'à profiter pour voyons belle force, ben, moun qui n'ont certain âge, moun qui malade et moun qui ne peut pas bouger, moun qui tout seul. Et en cas, voyons belle force, ben, toutes ces moun n'a ça. Et voilà. En tout cas, est-ce que vous avez une autre bite à rajouter? Ben, on a dit tout le monde bonjour. On a dit tout le monde bonjour et bonne santé à tout le monde et continuez l'émission là. Et ça va vraiment du bien. Ah ben ça belle tout bonnement. D'accord, Eh ben pas d'accord. hésiter, recriez-nous. Allons notre Ah dans soleil. notre soleil. Ok, Bye bye, bisous. bye. Alors, merci vraiment pour l'appel à eux. Et quand t'es qu'à dire, nous adons Chimènes Étoiles, nous adons Émission Azote, Bois d'Ébène. Donc, en t'es qu'à dire que Edith Lefèvre quittait la Martinique alors qu'elle était née 14 ans, mais avant ça, en Martinique, il commençait premier pareil en musique, il y avait Frey Laurent, Laurent Lefèvre. Laurent Lefèvre, il était né en groupe à musique. Et là, on voit, c'était les samedis soirs, il était qu'à sillonner la Martinique. Alors ça, il a créé podium à Comines. Et c'est comme ça, Edith fait premier pareil. Edith aimait en l'eau, Edith Piaf. Et justement, déjà à l'époque là, ça, il était qu'à fredonner l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. En famille, il y a aussi son artiste qui a aimé en l'eau, en chaille, qui a toujours apprécié, Brel, Charles Aznavour aussi. Et c'est en 84, écoutez ça, que carrière à Edith Lefèvre, qui a pris un bel ballon.
Là, on voyait en Caraïbes là pour tourner et puis Jean-Michel Cabrimol. Jean-Michel Cabrimol, c'est un monde qui était essentiel à dans et carrière. Jean-Michel Cabrimol était à la tête à la mafia. À la mafia, nous avons songé que c'était un groupe qui était qu'à mélanger salsa, cadence et vers jazz. Et c'est aussi à moment là ça qu'a Edith Joanne et puis Jean-Luc Alger. Jean-Luc Alger et Adé, ils ont chanté une belle chanson aussi, Ich Maman. Un son qui fait fureur et qui toujours qu'a fait nous vibrer. Un hommage pour toute maman assis la tête, pour toute Simon, pour toute maman, avec des paroles qui n'y ont le sens, bah, nous toutes, parce que c'est débité nous qu'à vivre. Et en 83, Malavoie, qui a invité Edith Lefel au Zénith à Paris, puis remplacé Marie-José Ali. Marie-José Ali qui était qu'à chanter Caressez-moi, caressez-moi. Et à partir de là, Lee Edith, qui t'a aimé Malavoie, qui t'a coûté Malavoie, eh bien, il caille sur scène et un grand groupe, Malavoie. Nous allons continuer tout à l'heure, à dans parcours à Edith Lefel. Et là, nous allons écouter des morceaux et, encore une fois, des paroles qui sont vraiment profondes, des paroles de partage, des paroles pour nous réunir, pour nous lier, dialogue. Parce que finalement, Zouk son musique, ok, nous avons parlé de l'amour, mais nous avons parlé de l'amour universel. Alors, nous avons écouté Mala et Dialogue Edith Lefel, et juste après, La Sirène. La Sirène qui est chantée avec Malavoie, qui était un tube intersidéral. Donc, standard là, ouvert Bazot au 05 90 10 29 45. Vous pouvez partager vidéo là, liker page Facebook à Radio Côte Caraïbe, écouter Radio Côte Caraïbe en les sites là, www.radiocotecaraïbe.com, en les Orange TV, rubrique Radio, rubrique Radio Côte Caraïbe, mais là nous allons continuer à voyager en musique avec Edith Lefel, Dialogue, La Sirène. À tout à l'heure, la famille. Radio Côte Caraïbe,
c'est radio en nous. Alors la famille en qui j'en zoye, nous toujours en les radios Côte Caraïbe, à dans l'émission Azote, Bois d'Ébène. Et nous ni on moun avec nous, qui l'a avec nous, qui tout à l'heure en teka dit, c'était plus qu'un collègue, un collègue à musique, c'est Edith, c'était CAI, TCAI, famille aïe. Tony Chasseur avec nous. Bonjour Tony. Bonjour tout le monde, bonjour Loïc. Bonjour Tony, bienvenue, content de recevoir. Qui nous veut là, Sakai? Eh bien, nous vivons, et puis, ben, nous là. On a dit nous vivons. Allô Tony? Oui, voilà. Ouais, voilà, nous baisser pour soulager au Tibouin. Donc, en tout cas, voilà, en tout cas, dit comme ça, ou en tout cas, dit nous vivons, nous là. Eh bien, Edith, quittez-nous, ça fait déjà bon, et quelques années. Mais grâce à la musique, et tout message laissé pour nous, moi, qui dis qu'Edith toujours vivant, qu'on a dit? Alors, évidemment, à travers musique là, quelque quoi diffuser à jeudi, à travers ça, à travers les souvenirs, les vidéos, tout ça, nous carouille. Mm-hmm. Mais on peut dire que pour nos amis qui sont aujourd'hui là, c'est difficile pour nous de réaliser qu'ils sont vivants. Pour nous, ils sont partis en manière brutale. Mm-hmm. Et puis ils quittent nous. Alors, ça qui te connaît Edith, bien. Mm-hmm. Et moi, je vous ai raconté une anecdote là. Le moment où j'ai rencontré Edith, fin 1986. Mm-hmm. Et il dit, déjà à l'époque, il était qu'à dire, profite bien de notre amitié parce que je vais mourir bientôt. Et dit, c'est toujours t'es calé ça. Oui, toujours t'es calé ça. Mais ça, c'était 15 ans avant, avant l'hépatite, vraiment. Donc, ça, moi, je ne dis pas là, c'est que malgré ça, t'es calé ça, nous pas senti qu'on nous parlait. Effectivement, ça a toujours été de laisser au monde partir, les ouais, mais mon les mon en chaos. Voilà, et justement, il dit toujours t'es capable de l'amour, comme si peut-être il partait pour lui, t'es parti le lendemain, admettons, l'amour a été cavine tout de suite. Alors, à la fin, vous savez, de la fête en studio ensemble, de la fin, nous bagarre ensemble, eh ben, ça t'est arrivé des moments où t'as dit, ah ben, si c'est ça qu'a fait, mais parti, et puis l'autre jour, on dit, mais ça là, ouais. Mais ça fait la fête, nous. Oui. Finalement, moi, quand je pense que c'est un bail, d'ailleurs, dans les derniers temps, c'est un bail qui a été dit, il a été échoué, tout ça. Il a été dit, c'est bail, hein. Et puis, quand je pense que dans les derniers moments, c'est pas un bail, c'est pas qu'on a été souhaité ça, et puis c'est pas un bail qui a été souhaité même. Oui, voilà. Et là, il était capable d'aller dans des lambeaux à partir en côté sombre, c'était justement pour 10 autres. Voilà. En là, profiter des moins, en kémo jeune, alors nous qu'à profiter au maximum, et nous qu'à aimer nous. C'était ça, un hein, message. C'est ça. Et Tony, dis-moi. Oui, on va écouter. Il t'a dit, nous n'y t'a profité. Ah oui, ça belle. Et ça a été des souvenirs pour l'éternité, tout ça. Merci. Mm-hmm. Et on t'a dit, nous, qu'en 86, on fait connaissance. Donc, fais-nous voyager dans le temps. À l'époque-là, ça, qui atmosphère, Tony, qui ambiance? Parce que justement, on joue une autre en 86. C'était à ton groupe, c'est ça? Et vous êtes choriste aussi, vous, avec Marie-Céline Croné, Jean-Paul Pognon. Fais-nous voyager. Ça fait avant. En 86, mon papa, il fait études de musicologie à Paris 8. Mais la situation financière au niveau de ma famille et moi, pas ça permet moi de assurer. Ma maman fait payer le école là pour faire ça. Ah oui. Et moi, il faut qu'on trouve un moyen de manger. Et puis, un producteur qui a crié moi, qui était capable de Martinique, qui était capable de tourner Simon Girard, qui était capable de tourner dans toute la France, et puis qui était capable de passer par l'Olympia, et qui a crié main, et qui a dit même, vini, fais cœur, et puis chanter. Il était capable de chanter un morceau. Et c'est là qu'on a joint, à dans tout l'État, Edith Lefel, Jean-Luc Alger, Laurent Vivneau, chanteuse qui était présent à l'époque, là, était un long musicien professionnel qui était commencé, et qui était travaillé à Paris. Et de là, en belle connexion, en belle amitié faite, et puis tout le monde, hein, et puis Jean-Luc aussi, et tout ça. Et puis c'est vrai que
tenir une belle explosion de créativité, une grosse explosion de création dans la musique antillaise à l'époque-là. C'était vraiment un bel moment de vivre. C'était juste après Zouk, c'est le médicament unique qui est sorti en décembre 1985. Et donc tout le monde tenait une belle expression de Tania, qui a sorti Disney, Edith Pekka, qui a fait premier temps là aussi. Donc tenait vraiment, vraiment, vraiment en belle émulation. Donc nous, il trouvait qu'on nous a fait que souvent, l'audit nous fait. Et finalement, il y a l'équipe qui montait assez naturellement. C'était Edith, Marie-Céline, Jean-Paul Pognon et puis moi. Et nous fait, à un moment, on a pensé pendant 2-3 ans, nous fait au moins 80% des productions discographiques antillaises, mais aussi africaines et parfois françaises. En tant que choriste. En tant que choriste. Voilà, ils ont été sillonnés la région parisienne, principalement. Ah, et puis ce qui ça, hein, nous allons en Belgique, nous allons en Italie, nous fait que on va. Ah oui, ça c'était. Ben là, c'est un genre. C'était l'explosion. Mon garçon, nous allons en Belgique, dans un château, pour Marie-José Ali, c'était nous quatre, et nous partis pour faire ça, et voilà quoi. Donc, non, ça c'est qu'à dépasser. C'est qu'à dépasser le cadre de la France, même sous celle, et puis tenir aux Antilles aussi, c'est qu'à défendre aux Antilles parfois. Alors, rarement en séance, parce qu'en fait, Jean-Paul, c'est qu'à faire carrière solo aussi, chantait. Edith, évidemment, nous savent, et puis moi aussi, c'est qu'à faire Marie-Céline, faire un album à l'époque, mais bien plus tard. Ah, ça belle. Et là, nous avons vu que la musique pas ni frontière. Et justement, ou qu'a fait nous rêver, pourquoi? Parce que à l'époque là, ça, t'es un lot ensemble, en fait, un lot musicien, t'es qu'à partager un lot, t'es qu'à travailler souvent ensemble. Oui, c'est vrai qu'on artiste, là, on face à un artiste, on sait l'artiste, ou qu'a senti qu'il y a un lot créativité. Mais à juger, là, il y a plusieurs mounes qui en contact, ça a fait un feu d'artifice. Ah ben, c'est l'histoire qu'a ça, vous. Oui, voilà, le grand méchant Zouk. C'est un bel casting. Non, même, Kassav même. Kassav même. Là, on mettait Pipo Martelly, Saint-Éloi, Jacob, Pierre-Édouard, Georges, Jocelyne, Nemo, tout ça, même Kessla là, et puis d'autres musiciens qui ont eu l'idée, comme Jacques Douglas, Mbida, ou bien d'autres, nous, quand même, ça a explosé. Eh bien, nous, c'est le petit maman et Kassav, mais pas quand on dit ça. Oui. Eh bien, là, nous, quand on trouvait qu'on est en studio, et à l'époque, en tout cas, Ronald Rubin était qu'à produire le bagage. Et quand il crie, nous, et quand il dit, nous, bon, ni moi, c'est ça là, et nous, ni en cœur là, vous nous mettez là. Et puis, dès qu'on est parti comme ça, tout le monde, tout le monde, Jean-Paul, nous avons envoyé l'idée, nous avons harmonisé, nous avons fait des essais, nous avons trouvé, le lendemain, nous avons visé, on a corrigé ça, nous faisons comme ça. Et puis, bah, là, c'est ça, vraiment. Et puis, tout le monde, bon esprit, tout le monde content, ouais, dit ce monde qui a marché. Je vais attendre qu'on y enlève, je vais dire, ah, ça n'a pas marché, même si c'est eux qui baillent l'idée pour qu'il n'y ait peut-être plus bel cœur là qui enlève mon soir. Mais ça n'est pas grave. C'est un homme qui est là et nous comptons qu'il a marché. Si baillent ou qu'il a marché, nous comptons bon. Ah ouais, vraiment. Super. Non, c'est très bien. Ah ouais, mais quand tu ça top et ça belle des témoignages qu'on a nous besoin ça, parce que musique, c'est fondement à société en nous, c'est ça, il fait nous vibrer pour aller nous tenir maillés, même à cause en nous, pour des événements. Et là, la famille en les radios Côte Caraïbe qui attendent tout ça, et moi, quand tu ça important, justement, qu'il y ait des traces, des témoignages par rapport à qui Jean ces mots la fête, en qui Jean, qui ambiance était ni à l'époque. Et ça fait qu'à fait vraiment. Et puis nous tenions en belle chance, c'est que tenions un lodis qui était café. Beaucoup, un lodis. Et puis tout style, c'est-à-dire qu'on a retrouvé corps. Et puis en passant, dit Tampa là qui a crié. Après c'est Santana qui a crié. Santana. Après c'est Jean-Michel Jean-Louis qui a fait ça. Et puis là on a trouvé corps. Et puis tard, on l'a dit. Et le cabinet, le tamouin. C'est pour le café. Pas tenir individualisme. C'était voilà, ensemble. Non, nous avons travaillé. Moi, j'ai pensé, moi, de faire au moins 500 par an, par an, on a compté 500, 450, 500 apparitions. Et moi, je peux dire, moi, chanté, puis tout le monde, hein, Tania Saint-Val, même Joël Noussul, moi, chanté en les disques La Perfecta, moi, chanté J.M. Harmonie, vous parlez des Antilles, Tony Malavoie, Sakio, Mario Canonge, mais aussi Tatiana en Guadeloupe, Barbara Henri Depp, c'est moi, chanté plusieurs fois, Vinny Fekker, plusieurs fois. Non, ça était quand même tout ça qui était besoin de nous, on était quand même venu, puis un bel esprit,
Et voilà, ben, ça, nous, qu'on retienne, sans qu'on retienne de tout ça, qu'on dit, c'est que finalement, avec l'homme ou professionnalisme sérieux, eh ben, c'est comme ça, nous, payons loin. Parce que justement, à l'époque, là, ça, on savait que Zoukla, international, juste à quoi est là, mais à l'époque, là, ça, tenions l'eau tournée en Afrique, et dit tourner en Afrique, vous aussi, certainement, déjà, à un moment, là, ça, où t'es veillé, où font l'eau scène internationale, Tony. Alors, oui, l'Afrique, moi, ça venait plus tard pour moi. Mais d'accord. Faut que ça, que. Ben, quand on est enchaîné pour moi, les morceaux qui ont tourné avec les capables tout à l'heure, qui m'ont vu, producteur tourné, comment tu as chanté un morceau, parce que tu m'as dit, tu m'as dit, un petit jeune, tout, mais c'est pas dansé, ou ça, c'est mon nom bien, mais ça, c'est oui, 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 c'est vrai. Donc, tu as dit ces morceaux-là, et là, producteur, tu as dit, ça, c'est un succès, proposez-moi, juste après tourner, proposez-moi, c'est premier disque, mais premier disque, c'est sorti à la moitié 1987. Okay. Moi, quand j'ai trouvé comme Michel Alibou, quand j'ai créé, j'ai dit, nous, j'ai fait deux, trois concerts au Francophonie de la Rochelle, nous sorti ces concerts avec Alibou, ça a bien, 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 ça pour les animaux, il y a un canon, il y a un canon, ça qui y a. En l'an, j'ai dit, ma grand frère, c'est un score, là, mon fini, c'est un score, là, leader groupe, là, qui fait un score, là, qui fait le groupe Malavoie, j'ai dit, Tony, on a une tournée dans deux mois, est-ce que tu veux être avec nous? Et là, ma grand frère, dans le groupe, il nous a fait le tour du monde. Ici, toute l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, la Réunion, Japon, pendant deux ans, quand on a du mal à voir. Donc, effectivement, musique-là, c'est un genre d'explosion de toute musique, d'ailleurs. Donc, explosion. Aussi, deux, trois mois après mal à voir au Japon, c'est ça qui est allé en mars. Il était fait en décembre 89, le Japon avait mal à voir. Et en mars 90, c'est ça qui est allé. Alors, c'est vraiment... Où on en est avant, bon, mais voilà, mais c'est comme ça, elle a passé là. Ah oui. Pas ni frein, pas ni rien, mais c'est que ça a inondé. Nous, dans toute émission télé en France, artistes nous, mon carouet, des dessins puis, mon carouet, Rastamar, mon carouet, les Malavois, alors mon frère, il y a des émissions, l'eau, émission. Oui, au fond, l'eau télé, au fond, l'eau télé. En l'eau, mais mon carouet d'autres, nous, évidemment, ni les cassables, ni Edith qui apparaît, ni tout ça qui a explosé, la Zouk Machine, qui a balayé tout le monde. Et qui a fait monter en ciel. Donc, tout ça, c'est un bel moment nous arrive. Ah oui. Eh bien, monter en ciel, ou ça a fait songer nouveau morceau à Bamoiselle. Mais tout à l'heure, nous qui revenons les morceaux là, ça. Parce que moi, là, en côté morceau là, ça son morceau, il a un côté céleste, un morceau en côté voyage envolé. Et ça, t'as envie de dire aussi, c'est que, ou dit que, nous qu'a répété ça, qu'a redit ça. À l'époque là, ça, Zoukla, t'es au Japon, musique en nous, musique à la Caraïbe, parce que géographiquement, nous pas plus grand territoire qui n'ici la terre, la Caraïbe, enfin la Guadeloupe, la Martinique, mais nous ni on l'eau talent, et faut nous croire dans talent en nous, parce que regardez, c'est exceptionnel, c'est sublime, talent au travail en équipe justement. Parce que forcément, nous savons qu'en équipe, nous payons loin. Voilà. Ça permet de vous voyager dans le pays. Ça permet de vous, très certainement, apprendre, continuer, perfectionner talent. Hein? Même si on a pensé au non-talent inné. Mais ça permet de vous aussi, personnellement, parce que là, vous avez voyagé, vous avez l'obité, ça a ouvert l'esprit. Hein? Donc, musique en nous, c'est une musique qui peut faire nous voyager très loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, mais de toute façon, sincèrement, oui. Ni en l'eau des bacs à rouler, c'est tout ça. Et ça, il va crier la procure, ben, jeudi jour. Oui. Mon mari là, désolé, on va aller ces personnes, mais c'est Zouk qui l'a. Ben oui, c'est Zouk. Ben oui, c'est rythme-là, c'est rythme à Zouk-là. Mais Ayana Kamoura, Taïk, et puis il y a des mouns là, dans le monde entier, même aux États-Unis. Tout à fait. Et même le côté reggaeton, c'est Zouk. Samba, voilà, Kizomba. Voilà. Il tourne en manière, il mettait en socio. Mais Facebook, et même là, on va écouter les jeunes musiciens haïtiens, on va crier ça, New Compact, tout ça, mais moi, on va parler de Richard Café, on va parler de Pierre Temoun. C'est le cas, dis-moi, c'est Facebook qui a écouté, il fait musique d'haïti, c'est Facebook qui a fait, mais il a fait en manière, donc il y a une petite saveur, une petite épice haïtienne. Mais en fond, c'est Zouk. Hein. C'est Zouk. Ben oui, c'est vibration à Zouk, là, effectivement. Et ça qui est triste, c'est que c'est maman et nous-mêmes, maman et pays nous-mêmes qui parlent reconnaître que c'est Zouk. Ouais. Le cas dit, ouais, non, ça c'est de la pop urbaine. Du coup, oh, c'est moderne, etc. Parce que j'ai ni 20 ans, et que Zouk n'a ni 40 ans, ni 45 ans, Zouk net. Mais non, c'est le cas analysé. De temps en temps, on a fait une discussion avec les mêmes et pays. Mon cas dit, mais écoute bien là, ce qu'on appelle le rimshot, c'est là le tac, tac, tac. Oui, tempo là. Ça, c'est à nous.
Ça, c'est à nous. Et c'est important. Et c'est important. Alors, par ici, par là, il va prier Kizomba. Par ici, par là, il va prier Poplou Bengaji. Par là, il va prier Nukompa, tout ça, vous voulez. Mais on va les blesser personne, hein. C'est conviction. Son constat. C'est comme un métier. Un métier, ça. Et moi, je pense que là, il faudrait nous savoir qui nous nouiller, ça nouiller, et puis ça nous mène dans la culture mondiale. Et puis, assumer ça, quoi. Voilà. Je suis fier de ça. Voilà. Parce que yo kapren, yo kapren, et après yo ka revin ban nou et yo ka bay un autre nom et nous même ça irait là et ça qui vraiment triste c'est que nous pas ka reconnaître certains monde pas ka reconnaître que c'est Zouk mais et pourtant c'est Zouk et pourtant et ou te ka parler des albums et justement par rapport à Edith Lefel ou participer en un album à Edith Lefel à Fleur de Peau. C'était un bel souvenir. Et d'ailleurs, Pouyon Edith Tekadi par rapport à l'album là, ça sortit. J'aime avoir des couleurs et des sensibilités différentes sur mes albums. C'est comme une fête à la maison. On invite des gens qu'on aime. Donc, par rapport à l'album, participation à Fleur de Peau, qui souvenir on a gardé des Alors, il te demande mon morceau, nous faisons un morceau, et puis je le vois, et puis. Oui. Et c'est En fait, moi, pas ni souvenir particulier, parce que moi, je travaille à les plusieurs albums, oui. Et puis Edith. Oui. Moi, je travaille à les Somnifères, moi, je travaille à les Jeux de Dame Baye aussi, les Qu'à chanter. Mais c'était toujours. C'est-à-dire que c'est un amour qui a roulé là, simplement. Hein. C'est pas d'autres bagailles, quoi. Tony ou bien Gilles, faites-moi une chanson, on va voir ça nous emmène. C'est qu'on promet l'amour des capacités, oui. Ou bien petit innocent. Oui. C'est Ikani Vini, Ikani dit, bon, amène-moi quelque chose. Et puis nous avons fait ça, bah, et puis nous avons dans le studio, nous avons la chaîne, nous avons peaufiné ça, nous avons fait les cœurs, nous avons fait tout le bagage. Et puis voilà, quoi. Mon garçon, j'ai dans les morceaux, à m'a fait bail, mon fort conseil, on a rappé, Tibouin. Ah oui? Voilà, c'était bon. Permettre moi ça parce que bon c'est un hommage à Edith donc bon ça passait bien quoi. Oui, et justement, c'est encore comprendre vraiment pourquoi vous, Edith, pour moi, tout à l'heure, là, on dit que c'était Tisséao, parce qu'ils ont vraiment un lien. Parce qu'elle a encore écouté un témoignage à Edith Lefel. Edith Lefel a dit qu'il n'était pas ambitieuse dans le sens, ils font l'eau belle bitin, mais dans le sens, il n'était pas fait calculer, ça a été fait. Il était fait avec qui, avec l'amour, et il a dit même bitin là. Donc, c'est ça qu'a joint en fait. Oui, c'est un cadeau. Par contre, effectivement, vous savez, bon, j'ai accueilli souvent pour être directeur artistique quand les des plateaux, scènes, les plateaux, émissions télé et tout ça. Et moi, quand avoué, alors mon bon grand ami, mon débat, c'est moi, mais en pile qu'on Jocelyne, qu'on Tania, et même parmi les jeunes, mais Florence Napri, et Cynthia Abraham, comment rencontrer Karen Joufa récemment, c'est des gens qui m'ont aimé en l'eau pour talent, et pour ce ça, et les communes. Et au cas de travail avec eux aussi. Mais ni à mon gamin, je m'en vraiment, de temps en temps, c'est plateau là. C'est la sœur Edith, quoi. Edith. De temps en temps, on va dire, ah, Edith, t'es là, le café, ça, et puis là, maman. Ah ouais. Ça, c'est un magique à moi, je dis. Exactement. Et moi, ça, ma carrière, ça, c'est ça aussi. Dans quelques mois, j'ai écrit, monsieur, continue à écrire, moi, pour l'ami Jacob. Moi, ça, c'est ça, hein, pour l'ami Patrick, moi, ça, carrière, ça, c'est ça aussi. Des manques, je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais même des moments, effectivement, dans tel plateau, quoi, dire, ah, si t'es là. En plus, Edith, t'es belle, Edith, t'es vraiment un monde qui t'a parlé avec sincérité et il t'a fait travailler avant le professionnalisme. Et justement, t'es parlé de Jacob regretté. En 2003, justement, il y avait Ronald Rubinel. Ronald Rubinel qui était... ok, j'ai un peu dit ça. C'est lui, il participait à un lobbyté à carrière à Edith Lefel et il était qu'à partager VI. Et en 2003, il y avait Ronald Rubinel, il y avait d'autres artistes comme Daniel René Corail, Jean-Claude Nimro, Jacob Devarieux, Marie-Céline Crony, Jacques Darbo, Tatiana Mia, Tania Saint-Val. Ils ont sorti « Je médite ». Alors, je médite, ça dotait un bel moment, un moment d'émotion et d'hommage à Edith. Oui, c'est Ronald qui était en vif en morceaux et puis tout ça qui était venu côtoyer Edith. Donc, nous venir. Alors, c'est un genre de montage parce qu'en fait, il permet de nous chanter des bouts de mélodie quand nous on vit en les morceaux. Ah, d'accord. Il va se libérer. Il va chanter un bout de mélodie et. Et parce qu'en fait, ça a été besoin, c'était encore preuve de reconnaissance, d'amour, de
et de tristesse aussi. Oui, oui, oui. Donc, nous venons faire ça, et puis un pile sentiment, un pile émotion, bah on a. Et ça permet d'autres exorciser aussi en petit tac, parce que là, quand on a écouté tous ces artistes-là, tout le monde qui côtoyait dit, ou même le monde qui ne te connaître personnellement, eh bien, il est très reconnaissant et il y a une vraie valeur que c'était un monde qui était capable des messages de paix, de l'amour, de partage, de simplicité, parce qu'il était capable de dire que la vie coûte. D'ailleurs, nos chansons, c'est ces titres-là. Mm-hmm. Oui. Et justement, par rapport à Mosso, là, ça, je médite, est-ce qu'il y a un clip? Ah, on va ça. Ah, d'accord. Non, mais pas quoi, nous fait clip, bah, ça, mais ça, c'est en production Ronald, hein, ça. Vous savez, à l'époque, ça, là, ça était tellement difficile que oui. Mon cas passé, même, c'était le début de l'arrêt des productions de Ronald, parce que ça vivait à présent. Le début de l'arrêt des productions de Ronald. Ah, okay. Ouais. Ah oui. Après disparition Edith, ah oui. Nous tous réalisé que il y a un bail qui changeait même au niveau de Ronald. Ah oui. Nous bien réalisé, hein. Il a occupé des autres artistes, mais il en est, nous pas qu'à ouais, véritablement sur scène, nous pas qu'à attendre parler, il n'a pas fait disparaître encore, il n'a pas fait produire tout le monde encore, etc. Mm-hmm. Et c'est à période d'art qu'il y a une bascule qui fait. Parce que là, oui, d'accord. Et justement, quelques années après, mais justement, l'année ci-là, pas ni longtemps, tenions hommage aussi, ou participer en hommage à Edith Lefel, d'après l'idée à monsieur Henri de Brosse, ou chanter SOS Mémé, et on l'a artiste, répondre présent à projet Lassac, Lincha, Douri, Lila Chico, Princess Lover. Et qu'est-ce que Corpé dit nous par rapport à projet Lassac? Alors, pas en pile bagaille, Henri oui. Criait moi un jour, il m'a demandé moi si moi participer, et si nous peut faire ça, et puis il dit moi qui ça a été bien, mais moi chanter, et puis ça fait naturellement, sincèrement, et c'est le résultat fini, comme on voyait, qu'on vote, hein, là, il ah d'accord, moi, ok, et, ouais, ok. Ah ouais, non, pas, c'est une réalisation qui fait moi quoi pas, pour un parti Ali, pour notre parti Paco Manalma, pour notre parti lui-même, Henri. Mm-hmm. Et d'autres mondes, hein, donc moi juste fais participation, moi, comme il te m'a demandé, et puis bon, voilà, nous sommes aussi en tendance à faire mon confiance, quoi, nous avons oui. Fait ça, ou besoin de ça, et s'il n'y a pas besoin plus de ça, nous avons bailler là, nous avons essayé, moi, nous avons essayé d'impliquer qu'on nous, ça, on l'a dit, nous avons essayé d'imposer qu'on nous en un projet. Six animaux et puis nous avons fait mon confiance. Oui. Donc là, il s'est accueilli des réalisateurs pour Chip dit ça, m'a fait chanter, hein, m'a posé. Ben, moi, c'était la première fois que j'ai chanté, et puis le groupe là qui était caché, qui réalisait partie SOS Mélinéa, m'a joué après, mais qui n'a pas passé bien, pas Nicolas. Et donc justement, la famille qui a écouté Radio Côte Caraïbe, émission là, Bois d'Ébène, c'est en vidéo qu'elle opé, qui est disponible en l'internet. Edith Lefel, hommage 2021. Et ce qui voit un lot artiste, un lot musicien qui a chanté toutes chansons, des chansons engagées, des chansons prouf, avec des paroles qui très profondes. Et justement, Anthony, vous choisi interpréter SOS Mémé. Mais on a une question à poser. Qui morceau, yon ou plusieurs morceaux, hein, à Edith Lefel ou préféré? Même si on sait choisir la red, et pourquoi? Alors, on vient même Petit Innocent. Petit Innocent. Ou Thème Blanc et Carabordé, hein, qui manifeste. Oui. On a trouvé qu'il fait ça, il chantait ça, et puis il matchait belle parole avec ça. On vient même mon sauté là. On vient même Marie. Marie? C'est un sujet grave aussi. Oui. Pour Marie. Et puis moi même sensation attention sensation vraiment vraiment ah oui mais c'est vraiment des belles morceaux vraiment raciste quoi mais à la discographie merci les qui a chanté merci aussi oui. Ah, en plus ça me dit souvenir parce que moi que on était mon soutien ah en plus mon cas oui ouais séance là et tout mon envie de studio allez mon cas oui c'est non mon cas dit ah ouais tu fais ça. Ah oui, ça oui. Donc, ni un autre niveau d'émotion, nous ensemble, nous avons ces émotions. Oui, c'est des souvenirs éternels. Mm-hmm. Nous parlions l'eau d'Edith, mais nous j'ai parlé en l'eau d'Edith, mais si vous avez décrit, en qui j'ai été décrit, Edith le fait là. Ça, m'a dit, c'est une gentille femme. Ah. C'est une gentille femme. Mais dans l'absolu, mm-hmm. c'est une
gentille femme. C'est une femme d'amour. C'est une femme... voilà, moi qui... C'est un grand artiste, tout le monde sait ça. Oui. C'est un grand chanteur, tout le monde sait ça. C'est un maman, c'est un camarade dans un lit. Mais là où il tenait en douceur, il tenait en gentillesse qu'il a dégagé. Et c'est ça, moi, qui joue 8e. Moi, il y a une dernière photo, moi, il y a une photo ça, que moi, il y a dans la collection. Moi. Oui. Je l'ai dit quelques jours avant. Et c'est... Alors, moi, pas allé, moi, pas allé la veillée. Uh-huh. Moi, aller entièrement, mais moi, pas allé la veillée. Alors, c'est comme moi, dit, il faut aller, ouais. Mais moi, pas mis l'image édite couchée. Ah, d'accord. Moi, oui, oui, encore comprendre. Donc, moi, il y a l'image édite vivante, souriante. Et dernière photo, nous prenons ensemble. Il vivait en Suède, c'est l'image de la manie. Et c'est un gentil, une femme, une femme douce, une femme apaisante. C'est ça, mon pays. Ah, c'est des valeurs, c'est une personnalité qui pas même mot moi décrit ça parce qu'il y a un monde qui est tellement perturbé déjà lui-même t'es capable de ça, un monde qui est tellement vieux qui n'ont l'eau violence, les nous qui rencontré des monde comme ça, ça a amené un lot en vie en nous et voilà apaisement, la paix et l'amour. Et en tout cas Tony, encore merci, on chaille pour témoignage à Wale Edith Lefel. Et là nous qui voyager dans actualité et donc Tony Chasseur, vous faites à Fort-de-France, en Martinique, et vous commencez musique à dans piano bar, c'est ça? Oui, c'est vraiment commencé à prendre ça qui était quasi venu plus tard, métier, moi. Et oui, c'était les premiers piano bar, enfin, l'ouverture des piano bar, mon chasse évoluer à dans ces mouvements-là. Donc, l'apprentissage de ce métier, mais en live, c'est-à-dire vraiment en prestation, accompagné par les musiciens, ouverture musicale, quand je veux toute musique, aussi bien Bijin Majuka que jazz, que variété internationale, que variété française, pour faire mon patronne personnel, ben moi, et puis en face monde, et puis public. Donc, c'était voilà. À un certain niveau. Voilà. Et c'était vers les années 84-86, donc on y a plus de 30 ans de carrière. Et où t'es commencé avec la Perfecta, qu'on t'a dit nous tout à l'heure là, dès le départ, hein, la Perfecta, JM Harmony. C'était un vraiment professionnel. Là, à l'époque, t'as un moment à ma tête. Ou à ma tête. Moi, j'ai fait ça, mais sans réfléchir. Et puis voilà. Et puis, pour JM Harmony, il y a une chanson qui marchait bien, j'ai appuyé sur l'ange. Pour la Perfecta, la disque a sorti, qui marchait bien aussi. Mais t'as ni réflexion de carrière, c'est plus tard que ma capacité pour faire carrière, pour faire métier tard en 1986. Ah oui. Et après une carrière qui est étincelante, une carrière qui est riche, diversifiée, et ça, on t'a proposé, c'est que bientôt, vous êtes venu avec nous pour parler nous de carrière et pour nous voir avec plus de détails tout ça, vous fait parcours et pour nous consacrer une émission spéciale Tony Chasseur. Kaudi. Est-ce que d'accord? Avec plaisir. Ah, avec ben plaisir. C'est super. Parce que moi, on a des souvenirs aussi de dons d'organes. Enfin, ça, bon, musique, ça a marqué. Et ça, là, quand on a dons d'organes, on a songé des vacances qui ont été passées, quelques années, des vacances en famille. Parce que, vous savez, chaque musique qui a mené souvenir à l'esprit à chaque monde. Donc, voilà. Dons d'organes, pour moi, c'est une musique qui est magnifique. Et puis, parcours aussi très riche et parcours qu'on a marqué, nous on coulait à dans parcours qui créole jazz. Donc, ça vient après. Ça vient longtemps après, oui. Oui, ça vient. En tout cas, c'est origine, ça c'est 1994, les mots qui a chanté Grand Automobile. Ah oui. C'est ça, et là, effectivement, c'est mon réalisé qui m'a fait sortir de l'univers Zouk véritablement, même si des années avant. Moi, depuis 1991, moi, j'ai travaillé avec Mario Canonge, mais formé le Mario Canonge Con, et nous a chanté sur scène des bailettes de plus de jazz et tout ça. Mais pour grand public, là, on a pensé, c'est arrivé dans l'automobile, là, qui a fait que Yucatan dans l'autre manière de chanter, l'autre style. Et on a parlé de Mario Canonge, mais en bitant aussi qui a frappé moi et qui a fait mon plaisir, c'est que là, on a vu tout ça au café, ou toujours entouré des musiciens et des mounes qui est vers depuis longtemps. Musique, c'est famille, on a dit musique, c'est famille, musique, c'est l'amour. Parfois, nous, on a mis
que deux ou trois bémols en laisse ça, mais là, on a fait ça au café, travaillant, on a fait toujours entouré. Toujours entouré, alors, toujours de musiciens, sauf qu'on travaille en synergie. Oui, alors ça veut dire donc il y a une idée ou des bas. Oui, c'est tout à fait. Mon contrat est de bas quand même. Oui. Chaque clair pour lui-même et monter, c'est les amis musiciens qui arrivent, pour moi qui arrivent et monter. Wow. Alors ça fait depuis Alfred, ça fait depuis Jacob, wow. Ça fait depuis Mario, ça fait depuis d'autres mounes, ça fait depuis la Thierry Fosson, ça fait depuis Chivoyer, tout ça. Mm-hmm. Et Thierry Vaton. Et effectivement, c'est pour ça moi, en 2015, j'ai fait album Les 30 ans de carrière pour moi. Oui. C'était pour 2016. Et il m'a crié La Coule Amour. C'est-à-dire mm-hmm. le cercle des amours. C'est-à-dire que m'a entouré au fil des années. Alors Nikita Adam est sorti. Oui. Nikita est rentré Adam. Parce que mon gars est sûr que mon vocal fini là. Mais au fil des années, il y a un cercle qui crée. Qui un cercle des amours, c'est-à-dire un lacou l'amour de toutes ces montagnes, mais ça plie l'âge qui est la musique, hein, ça, c'est pas la musique seulement, ça plie l'âge qui est la musique, mais il y a un lot qui est dans mes chemins, qui est dans cet âge, qui partage, qui permet de traverser tout cela en état, et pas en trop mauvaise forme. Oui. Et La Coule Amour, c'est vrai que ça baisse, c'est poétique, mais derrière ça, derrière poésie, là, justement, dans musique en nous, musique afro-caribéenne, derrière poésie, là, il y a une réalité. Parce que là, on a dit La Coule Amour, eh ben, nous avons senti que c'est un bitin qui est réel, qu'il y a vraiment des mondes qui soutiennent vous, parce que, à dans vie, un monde, quel que soit métier là, ou café là, qui travaille en habitation, qui ou pharmacien, etc., et à dans métier là, ça, musique, il y a aussi des débats. Et donc, c'est important. Autant des mounes pour soutenir vous. Et donc, quand il est là, au quatre travailles, au quatre travailles ensemble, en les en réalisation, Raise, avec Ronald Tulle, Michel Alibo, Alain Dracius, Thomas Bellon et vous. Et on a trouvé ça rythmé, ils nous ont envolé, ça très expressif, créatif. Son mix à créole jazz et musique de la Caraïbe. Donc, justement, j'ai voyagé ensemble, Haïti, Cap-Vert, Paris, Marseille. Donc, parlez-nous des Raze. Alors, Raze, c'est un dimanche créole jazz, oui? Mais basé en les zouks. Ah, oui. Ronald Tulle, c'est un bouquin dans le, dans le zouk, dans l'histoire du zouk par rapport à Chiméa, il fait à Thomas Bellon. Oui. Batek Assav, Alain Dracius, sans aller trop loin, il y a une manière de jouer la percussion live aujourd'hui dans le monde du zouk qui utilisation des membres. Et c'est Alain qui mettait ça dehors. L'année, toute percussion aujourd'hui joue qu'à utiliser ça. Et puis, nous pouvons parler de Michel Alibo qui est en référence dans l'histoire de la musique caribéenne, aussi jazz que zouk. Mm-hmm. Que véritablement zouk, puisque en low basse que nous faisons de Kassav, c'est Michel qui a fait yo. Ça a évacué les basses mélodiques véritablement, même s'il est dirigé par Georges, mais c'est Michel qui a fait yo dans les premiers albums Kassav. Mm-hmm. Et en 2014, Ronald Tulle fait un disque qui a créé Raising, qui est un disque créole jazz sur base de zouk. Moi, je trouvais ça bien. Moi, j'étais présent dans l'émission, j'étais capable de créer un jazz à l'époque, en région parisienne. Oui. Moi, je criais, moi, je trouvais ça bien. Moi, je me disais aussi, je peux faire un morceau à quatre conseils, et puis moi, en cinquième, comme je chantais, pour disque, la coule en monde, moi, j'étais capable de l'étaler. Mm-hmm. J'ai accepté. Et là, nous sortis à séance tard, quelques jours après, on a crié, moi, il dit, moi, bon, il m'a tient en voix dans des marches qu'il y a. Est-ce que moi, je peux accepter être voix là? Il m'a dit, OK. Et là, nous sortions en 2019, malheureusement, ils sortent en mi-temps toutes les affaires, nous savons oui. Les affaires sanitaires-là. Donc, nous faisons un seul concert pour la sortie, c'est Martinique, devant 1500 mounes en juillet. Mais nous avons espéré, qu'il y ait un jour, nous avons payé. Nous sommes pour venir en août, début août, en Guadeloupe, oui. Présenter Raze. Et puis, ils ont savent ce qui est passé. Donc, nous avons venu regarder tout ça, plaisir et tout ça. Mais, démarche-là, l'album d'art, c'est montrer que Zouk là même, comme tout style musical, quand je fais en musique latine, je fais latin jazz, quand en musique africaine, je fais afro jazz, et bien en Zouk là même, il y a une dimension jazz qui peut faire tout en gardant le swing. C'est pour ça que la plupart du temps, à la fin de tes morceaux, là, vous passez toutes des vaches
comment on peut dire, élaboré rythmiquement, harmoniquement, nous avons retrouvé que nous, quasiment tous ces morceaux, nous avons retrouvé que nous, en zouk, pour montrer, mais morceaux, c'est la manière chirée en début, à la chaîne, jazz, la chaîne, les conseils étaient tout en zouk. Et puis c'est comme ça. Et nous avons retrouvé que nous, on a débattu qui casse le livre également. Mais toutes les marches, qui est à l'origine un concept monté par Ronald. Ah oui, ils ont à 5 ans les concepts là ça. Et le cas vrai parcours à chaque monde, et bien justement, on va rendre compte que c'est un concept qui est vraiment au service de culture en nous, qui justement qui a honoré culture en nous. Et nous peut dire c'est la famille qui a écouté Radio Côte Caraïbe Bois d'Ébène, que c'est un dis là ça raise Ola Yopé Yopé Trapé en les tous les toutes les plateformes de téléchargement. Dis-moi. Alors, paradoxalement, nous faisons une petite vente quand même de physique CD en Guadeloupe. Et puis un magasin qui n'a pas trouvé pas bon la date, on va essayer de nos magasins, mais bon, c'est mon petit vidéo top, qui vend rien de 10 manous. Mais ça difficile, c'est des. Alors, pour le moment, il est disponible dans toutes ces plateformes-là. D'accord. Plateformes digitales-là, on peut trouver Waze, que ce soit en streaming ou bien en achat à l'unité, on peut trouver Waze. D'accord. Alors là, ça on peut proposer, Tony, c'est que nous allons écouter son bon moinzelle qui est en rotation les radios Côte Caraïbe. Et après, vous pouvez parler nous des concerts. Hein. Bientôt, nous avons un concert les 13 et 14 novembre à la Part Garden. La Part Garden qui est en bas au lounge. Ok, on nous allez. D'accord. Merci. On nous allez.
Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Alors, la famille, nous toujours dans Bois d'Ébène, avec Monsieur Tony Chasseur. Quel bonheur, quel honneur. Et justement, on tient à saluer tout le monde qui l'a, tout le monde qui a participé. Patrick Théo, Suzanne Aubertin, Suzette Tribus, tous ces mouns-là qui l'a. Quand le beau va la partager, partager vidéo là, partager, liker page à Radio La, Radio Côte Caraïbe, et en cas d'isot, on bel bonjour, Kimbi Red, on l'oule en moubazot. Et donc, en F1, Tony, Tony, ça caille toujours? Oui, nous vivons, nous là. Nous ah oui. Eh bien, nous sommes écoutés chanson, hein, et son chanson qui a apprécié en l'eau, les cuivres, et son chanson aussi qui a fait moins rêver. On peut dire ça comme ça, parce que c'est son chanson, on a l'impression qu'ils ont envolé à, dans la chanson là, ça, ils ont côté céleste là. C'est enfin, c'est qu'on s'en a interprété. Mais on a l'impression, son chanson, plus en qu'écouté, plus en qu'étrouvé sans ça. Oui, oui, vraiment, vraiment. Alors, en Martinique, on a crié. Frénétique, oui. Qui m'a été invité un jour, ni plus de l'année. Hein. Il était comme, il était dit, mais là, et puis je dis, mais je ne sais pas, on m'a été connu. Et quand je suis batterie, complètement sous moi, bien, il m'a été fait la prestation, il m'a dit, viens jouer, et puis monter, jouer, et puis ça s'est matché, il dit, ouais, quoi. Et puis il criait, moi, en mars, avril, on était là, pendant le confinement en Martinique, finalement. Et puis il dit, mais il fait mon sourire, il a trouvé sa casse en moi. Qu'est-ce que ça a regardé ça en fait, est-ce que ça a intéressé? Alors, mon côté, et puis mon travail, des morceaux, dont Bamoiselle. Et alors, comme une petite raison, en début, morceau, ça a inspiré moins thème là, on a fait envoler à ça là. Et puis, le mot fini, nous m'en fait texte là, m'en poser les voix. Il a fait Claude Kaby, j'avais une prod écouter ça, et Claude Kaby, mais il y a une belle distance peut-être pour vacances, là, nous peut faire un petit bagage. Enfin. Et puis finalement, moi, après, alors, parce que c'est, pour moi, c'est frénétique, hein, c'est frénétique qui est invité, moi, donc moi, quand j'essaye, je fais ça, c'est Et puis, moi, quand j'apprends que, alors, après, je n'ai pas dit c'est un tube, je n'ai pas dit ça a marché, je n'ai pas dit ou en playlist. Ah, ou en playlist, ok, voilà. Ou en playlist. Voilà, je dis, moi, ou bien diffuser. Moi, apprendre que c'est Radio Martinique là, mettez-moi en playlist toute radio. Ah, super, super, super. Mon... Alors, moi, comment c'est recevoir un message sur le réseau, et tu auquel mon cas dit, mais ce morceau-là, bref, alors, voilà. Mais, voilà, il n'y a pas qu'à dire, mais, quand on voit une question, ou bonsoir, quand même. Ouais, tube de l'été, tuba, ou en playlist. Ou en playlist. Eh bien, en tout cas, ou en playlist à Radio Côte Caraïbe, tout morceau en playlist à Radio Côte Caraïbe. Et aussi, Vini Bien, Oula l'amour, qui dernière fois, en rotation sur Radio Côte Caraïbe. Ah, merci, merci. Oui, merci, oui, merci. Oui. Et donc, on t'a dit qu'elle est bientôt là, ou en Guadeloupe, hein, c'est ça? Et où qu'elle a la part. C'est ça, la semaine prochaine. Ouais. Et samedi et dimanche prochain. Bon, quand Vini, ça a fait l'année DJ, Alphonse, de la porte, nous avons essayé de trouver un moyen pour moi faire une prestation là, mais vraiment, hein, ça fait au moins 2-3 ans avant de jouer là. Et chaque année, évidemment, et tout ça qui a fait, ben, là, reporté, annulé. Oui, oui, oui. Et puis là, on s'est dit de nous trouver un trou, un petit moment, et moi, quand je vis, moi, quand je viens jouer, puis, mais moi, prends des musiciens de Guadeloupe, hein, que moi, j'ai un pile, les frères Castries, j'ai connu Stéphane, Mani Audrey, Mani Karim, Melaël. Et puis, on a deux chanteuses qui sont venues en invité, jouer, et puis moi, et puis nous avons essayé de faire un petit week-end, un petit moment d'évasion, d'oubli, chanter des trois chansons, faire des nouveautés, faire des bagages différents aussi. On a changé de petit répertoire là, pour montrer que c'est mon grand plage de Saman Café. Ah, évidemment, oui. Beaucoup axé sur le zouk. Oui. Et puis, nous avons regardé qui m'a dit, ben, la commence. Donc, à penser, c'est pas beau, 18h, nous avons commencé, et samedi et dimanche, et nous avons espéré faire un bel petit morceau, un bel petit bagage. À l'Apart Garden. Et voilà, la porte garden. C'est et donc, moi, quand dit la famille qui l'a, qui a coûté, télécharger, acheter son atelier chasseur. Nous, ni des nouveautés, nous, ni pas moins elles qu'elles ont sorti coûté. Vini Bien, Oula l'amour, qui dernière fois, et toute discographie aille, pour réserver, justement, pour passer un bon moment, parce que nous savons que quand il y a le contexte là, c'est compliqué. Et Tony Chasseur, qui a déplacé, qui a vini en Guadeloupe. Donc, vous pouvez venir en famille, vous pouvez réserver au 06 90 73 51 83. Réservation au 06 90 73 51 83. Nous tellement bien vers Tony, nous t'es qui envie parler, mais on a dit que bientôt. Mais oui, mais c'est vrai. Mais nous. Alors, mais, voilà. Il faut que je sache quand même que là, mon pari, oui. Que depuis hier soir, et puis au soir, à l'initiative de Thierry Fanfan, nous en prestation,
Thierry Fanfan, les types pour rendre hommage à Kassav. Et nous, à guichet, faire mettre deux souhaits. Ah, c'est mon premier souhait. C'est-à-dire, un souhait. Ça m'a fait dormir tout de suite là. Vous. Ah, d'accord. Bien, c'est encore assez bon là. Et puis, nous, quand chanté allemand. Et puis, Kaylin Wiz, qui est chanteuse guadeloupéenne, qui commence à travailler depuis l'année. Et Thierry Fanfan, monter un bel équipe, voilà, dans tout ça. Et nous avons joué Patrick, Pipo, Kaylin Kauch, et puis mon répertoire Jocelyne et Jacob aussi. Ah, magnifique. Voilà, magnifique. C'est mon hier soir, ça fait vraiment très très belle, très émouvant à certains moments, très chaud aussi à d'autres moments, parce que c'est mon noir, c'est ni africain, c'est ni matiché, guadeloupéen, guyanais. International. Et voilà, et puis au soir, nous avons joué, il fait ça. En reste un jour, peut-être Thierry Kéan, il fait ça. La Guadeloupe, pourquoi pas. C'est dans l'autre couleur, parce que des fois, il y a ouvert en jazz, d'autres fois, il y a resté bien, zouk, qu'on casse avec des cafés. Là, deux trombones, pas ni en les chips soufflant, nous, ni deux trombones, et puis nous, qui café, les belles phrases de chaque morceau, et c'est mon travail qu'on a ça bien. Magnifique. Et donc, nous, toujours au travail, nous, toujours vivant. Oui, c'est où les nous, qu'a oulé. Et donc, moun qui a coûté nous, peut suivre vous en les Facebook, Tony Chasseur, en les qui. Oui. Qui d'autres réseaux? Instagram aussi? Non, alors, ça, moi, des jeunes artistes, là, qui ont fait me comprendre que Instagram, c'est pour les jeunes, et puis Facebook, c'est pour les seniors. Donc, moi, mais, qui moun qui senior, là? Qui moun qui senior? Tony Chasseur ne peut pas être un senior. Non. Son jeune. Non, moi, les Facebook. Moi, ah, d'accord. Facebook, Instagram. Donc, pas hésiter, la famille, likez page à Tony Chasseur. Voilà, suivez l'actualité, parce qu'il a fait on l'a bité en nous, bah, communauté là, le monde nous peut dire ça, musique en nous, musique caraïbe. Voilà. Ok, mais Tony, encore dit un bel merci, un chai merci. Merci Loïc, merci. Voilà, on l'a pour témoignage, pour actualité, et puis nous a dit un bon voyage pour la Guadeloupe bientôt, là, ou après avion là, et à très bientôt. Merci, amis. Bon week-end pour tout le monde. Ok, merci. Bye. Tiens bien. Alors, nous tenons Tony Chasseur avec nous. Vraiment, c'était vraiment un moment magnifique. Et là, vous pouvez réagir en commentaire en les pages Facebook là. Songez que Radio Côte Caraïbe, c'est en les Orange TV. Orange TV, rubrique radio. C'est aussi site internet là, www.radiocotecaraïbe.com. Et aussi, application là, on les Google Play, Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. En cas de vous deux ou trois questions, OP, criez-nous au 05 90 10 29 45. Parce que d'avoir Jodla, nous allons mettre à l'honneur, nous allons célébrer Ondiva Edith Lefel. Et tout aller là, nous allons enchaîner sur notre morceau. Alors, écoutez ça. Quand il vient en l'esprit, nous allons nommer Noa Edith Lefel. Qui souvenir, qui image? En qui Jean ou t'es qui décrit Edith Lefel, et pour le monde qui écrit nous fredonner en morceau Edith Lefel, et qui morceau ou préféré. Là, nous allons balancer en l'air en chanson à Edith Lefel. Edith Lefel qui chantait Begin, Mazurka, Zouk, Variété. En Noël.
Ça a roulé, ça a marché, en contentant de vous, aujourd'hui là. Oui, parce que nous tenions un rendez-vous, mais ça n'a pas fait comme prévu. Ça a nous, nous en direct là. Nous en direct, là où débarqué, voilà, à dans Bois des Ben, tout le monde attend vous. Ah ben super, en content qu'on soit capable de dans Bois des Ben, parce que c'est une nouvelle émission que Loïc Cabrillon met en place et qui a écouté ça déjà au début. On a trouvé que déjà en félicitations pour Animatella. Merci, on chère. Félicitations pour toi. Pour Tony Chasser qui donne nous un bel passage quand même. Ah oui. Edith Leffel. Ou Pédis. Ça. L'habitat était bon. Ah alors oui. Moi-même, je n'ai pas crié parce que Edith Leffel, c'était un artiste qui a été apprécié énormément, qui a été apprécié en pile. Mm-hmm. Et en mémoire, chanson Aïe Marie. Marie, ah waouh. Marie, en petite forme à l'hôpital comme ça. C'était vraiment chanson qui était dans thématique. Qui a touché moun quoi, parce qu'il y a l'eau moun qui est malade, il y a l'eau moun qui a problème de santé, cancer, etc. Et nous, à un moment, moun à moi, c'est Marie aussi. Donc, c'est un bitin qui a touché moins sur tous les plans. Mm-hmm. Et Edith Leffel, c'était en sorte de. À qui j'en. On m'a dit qu'il fragile. Oui. On m'a dit qu'il a consolé. Madame. Voilà. Oui, c'était un madame là, il était tout petit, il était tout coutaté là, mais il était un côté fragile. Mais en même temps, c'était en sorte de femme job, quoi. Il va dire, en femme potomitant. Parce que faut être femme potomitant pour te résister dans le milieu artistique. Ah, ou pédis ça. À un moment donné, il vient tellement qu'il a été bon, que la musique a été qu'a plaît tout le monde, qu'il passe à la télévision nationale, à un moment donné. T'es dit qu'il n'y a pas tourné, tout ça et tout. Donc, c'était un madame qui tenait un talent. Qui était mis en manière de chanter, qui était qu'a vraiment séduit tout le monde, qui était qu'a touché Kéa au plus profond. Encore moi, il était qu'a chanté les séries et puis des Edith Piaf. Oui. Il était mis en voix, mais franchement, c'est en voix qui était extraordinaire. Donc, on peut pas ni plusieurs mounes comme ça, hein, en ça, règle c'est générale. Vrai, c'est vrai. On y ça tous les 50 ans, peut-être. En bataille, pour les 2-3 générations. Et justement, on t'a dit qu'Edith Piaf chantait Edith Leffel chantait Edith Piaf. Oui, effectivement, en version salsa, il chantait La Foule et il chantait L'Hymne à l'Amour, il me semble. Ouais. Et vous savez, des fois, il y a dit, est-ce qu'on croit qu'on réincarnation parce que il était qu'à chanter ça, mais on s'est dit que c'était Edith Piaf qui était qu'à chanter. Hein, oui, effectivement. Et on remarquait ça parce qu'à l'époque, on t'a acheté CDI si seulement en 2002. Et effectivement, Adam coulait à voir où t'es qu'à tendre justement vibration à Edith Piaf. Mais quand, avant nous continuer, dis-nous, quand, de qui côté au crié nous? Qui moun qui compte le beau? Allô, Kant? Alors, on coupe le micro là parce qu'on est à la gare, justement, parce qu'on a appelé les autres de Paris. On était à Lyon, on descend à Paris. Alors, quand les beaux, c'est en chef d'entreprise, c'est en journaliste, c'est en animateur, parce qu'on a fait des lives aussi en les Facebook, en les tous les réseaux sociaux, on a fait de la radio aussi. On s'en sort des mounes qui ont crié polyvalent. On s'en sort de Michel Morin. Ah oui, antillais. On s'en sort de Michel Morin antillais. Et rôle en moins, on s'est président de l'association des auditeurs et téléspectateurs des Outre-mer. Et rôle en moins, en ce moment, c'est des bas antillais visibilité en France, en hexagone. Parce que nous pas ni moyens de communication développés, nous pas ni moyens de télé non plus, même si nous n'y des web radio cartoonés, c'est toujours bien, mais au niveau national, c'est pas encore ça. Donc, voilà, moi, c'est de mettre en visibilité tout ça qui a passé dans la communauté en nous. Et justement, je de là, quand il y a dans en élection, non, c'est comité élection Miss Maman Dom Tom, et nous qu'a couvert soirée là, ça, et puis en concept nous mettre en place, qui est l'actu des assos. C'est l'actualité des associations. Donc, c'est ça nous qu'on fait. Et ça belle, et ça belle. On va diffuser ça en les France Télévisions, en les portails numériques là. Et ça va permettre communauté là, des vrais ça qui va passer à dans communauté là, en hexagone. Et nous qu'on montrer ça de manière pour tout le monde voyez, quoi. Ça va passer en gros plateforme, qui est le portail numérique des Outre-mer. Et ça va passer dans tous les réseaux sociaux à France Télévisions. Et on est tous les réseaux sociaux en nous aussi, parce que nous tous qu'à partager. Et on a pensé que ça, c'est un bon bitin, parce que vous savez que si vous pas dans les médias, vous pas qu'à exister. C'est ça le problème là. Parce que nous, on est dans un monde
qui c'est la nouvelle technologie. Et si on parle dans les médias, c'est qu'on ne se trouve pas qu'à exister. Et justement, en parlant de médias, pour tout le monde suivre, la famille suivre ça au café, nous avons invité les autres à suivre Kant Lebeau en les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, tu es capable de nous dire Edith Lefel. Et justement, est-ce que son monde nous tenait l'occasion de rencontrer? Non, alors, bon, excusez-moi, hein, parce qu'il y a Timon qui a crié, là. Non, on n'a pas jamais rencontré Lefel de face à face, hein. Mm-hmm. Bon, en vrai, de loin, on était à côté, mais on n'a pas jamais ni l'occasion d'être pas des bails, et ça, c'est vraiment un bitin qui a manqué moins, parce que il était en philosophie, ou quoi, senti ça dans la chanson. Ouais, ou peut dire ça, ou peut répéter ça. C'est un madame qui était très, très douce, qui était qu'à vouer la vie... avec optimisme et pourtant ou quoi ouais il y a chose à dire si seulement quoi ouais parce qu'il finit vie de manière assez bizarre parce que nous pas savoir si c'est lui même qui fait ou si ou pas savoir quand qui passait toujours gagner le mystère mais c'est un monde qui était tellement optimiste qui est moi un peu paradoxal quoi nous pas trouver ça bizarre genre parce qu'il n'y a pas de quoi pénir. Enfin, nous pas ça, donc nous péquer ailleurs en les chemin à ça. Exactement, mais exactement. En tout cas, moi, personnellement, en cas dit que c'est un monde qui fait nous rêver, parce qu'à un moment donné, nous t'es sûr qu'il t'est caille briller et qu'il t'est caille représenter nous, mais vraiment au niveau national, parce que flammaille t'est qu'à chauffer, red. Quand on a dit ça t'est qu'à chauffer, c'était diffé caco. Ça a été qu'à faire là, c'était un bon diffé caco. Et c'est dommage qu'il partit trop vite. Il partit trop vite en janvier 2003. Et c'est dommage. Moi, en aïe à Père Lachaise, là, il est enterré. Moi aussi, d'ailleurs. Enterré à Père Lachaise. Moi aussi, en aïe là, plusieurs fois. Et où ça, à chaque fois, on a approché à tombe à Edith Lefel, on a tenu un sorte de frisson. Ça veut dire que le premier jour d'enterré là, on n'a pas même TV. En arrivant à côté là, en tournant longtemps avant de te rapprocher moi. Quoi, ah ouais, ouais, ouais. De vibration. C'est bizarre, quoi. En bitin électrique, ok. En tes pères en même temps, quoi, en tes pères en même temps, parce que ou toujours, là, on toujours voit un monde vivant, ou pas j'ai pas des bails d'être vivant, et puis quoi, il est mort. Eh bien, c'est cas en moins aussi, c'est cas en moins aussi, et on trouvait ça tout naturel en t'es allé tomber à Edith Lefel au Père Lachaise, ça a fait peut-être plus de 15 ans, et c'est vrai que on t'est parlé de ça, on t'est retourné en travail en moins, et on collègue, en cas songe à l'époque là, ça, t'es dit, moi, c'est étonnant quand même, moi, on l'est tombé, alors qu'on pas t'es connaître personnellement. Mais même l'on pas connaître ton monde personnellement, eh bien, à travers Aramouna, Samouna Café, eh bien, ça a touché Kéao, et c'est concis son monde nous connaître. Et ça, on t'est proposé au Kant, c'est que bientôt, parce que Kant Lebeau, certainement, ou qui est venu dans des prochaines éditions à Bois d'Ébène. Allô, Kant? Oui, on l'a. Excusez-moi, mais on va couper le micro là de temps en temps, parce que comment à la guerre, là, ni de ah, d'accord. Ok. Donc, ça, on t'est qu'à dire, c'est quand qu'à dire. Oui. À bientôt, justement, parce que vous qui avez nous certainement prochainement. Oui, en raté, coche la jode là, mais en cas trouver émission tellement belle. Ah, merci. En plus, c'est Guadeloupe, vous savez, en Guadeloupéen, en aimé pays. Moune Pointe Noire. Moune Pointe Noire, hein, nous sommes Moune Pointe Noire, hein, nous sommes en grande famille de Pointe Noire. Ah, ouais, vous pouvez dire ça, cousin. Et cousin, nous qui m'ont dernièrement, oui. Claudien Rébus, tout le monde savent ça aussi. Et puis nous c'est de la famille des musiciens, hein, les Astasie Philogène, exactement, Elisa R, exactement, donc pas ni problème. En tout cas, émission à haut, en cas trouvé qu'elle est bien démarrée, nous prévoyons ça public là qu'à penser, mais vraiment félicitations, merci on chai, merci on l'eau pour l'animation, okay. Et vraiment quand il y a dit on y a une petite voix douce, une petite voix posée, une petite voix animateur comme vous même et quand même c'est madame là qui est là, il y a que c'est ça parce que mais partagez vidéo là, partagez, likez page à Radio Côte Caraïbe, voilà, et Radio Côte Caraïbe nous avons l'eau émission diversifiée, intéressante, donc voilà, ok. Alors, moi, partager l'émission là, au moins une dizaine de fois. Ah, super. En cas, ça qui aille. Mais en tout cas, en cas saluer mon Guadeloupe, parce qu'on sait que Guadeloupe, ou en Guadeloupe, il y a tout ce qu'on a coûté. Nous, à bouillante. En cas, voyez un gros bonjour pour la famille Rébus, pour la famille Judith, pour la famille Cabrillon, enfin, pour toute la famille. Ok, ok. Pour toute la famille. Et à très vite. Ok, bonne arrivée à Paris, bon retour, à bientôt, à un autre soleil.
Eh bien, la famille. À bientôt. À bientôt. Ben, la famille, ça belle. Voilà. Musique, c'est partage. Et là, nous, quand on nourrit Edith Lefel, là, nous sortons écouter un extrait à chanson à Sipari, un bel begin qui fait fureur. Mais songez à Sipari, t'es une autre version aussi qui sortit en 1930, qui était morceau là sorti en 1930. Et à l'époque là, ça, c'est Léona Gabriel Sohim qui était qu'à interpréter. Et voilà, Léona Gabriel Sohim qui était en Martiniquaise. Donc, Edith Lefel, laisser un long message bon nous dans chanson A et aussi l'été qui a fait interview là nous dans messager rubrique messager mis en citation Edith Lefel t'es bon nous dans émission partition les RFO Guadeloupe en 96 tout allait là Tony Chasseur t'es qu'à parler nous des petits innocents son musique qui a mis en l'eau et Edith Lefel t'es qu'à dire nous je suis très proche de petits innocents où vraiment j'ai eu beaucoup d'émotions à chanter en studio, ça me touche beaucoup. Donc, Petit Innocent, nous qu'a écouté, qu'on y est là, son musique, il dit Zouk, c'est l'amour, oui, mais Zouk aussi, son musique à part entière, et là, il a abordé un sujet qui est très sensible, Timoun maltraité, l'inceste, et son texte qui est très touchant, très poignant. Donc, nous qu'a écouté Petit Innocent en hommage aux enfants maltraités, parce que malheureusement, jusqu'à quand on est là, son sujet d'actualité. Qui sont défense devant la mort. Parti, trop vite, petit, innocent. Parti, trop vite, petit. Yo bat li, yo sali pour un crime qui pas ni non. Ou un petit monde qui pas connaître la vie. Criait tellement fort jusqu'à perdre du souffle, ma misérable à tes cartons et t'as qui pas même fond devant innocent malgré des longs mains déjà plein et puissant. Si mon qui pas connaître la vie. Qui non ou béba ça qui fait oser blesser. Qu'on ça sans pitié en innocent. Violer et manchouer lâchement sans y regretter. Ou en mauvais vice manque à mander. Claire, Véronique Absalon de Claire Bijoux, en cas disant belle merci, bah, Tati Suze, bah, tout le monde qui l'a, Suzette Collet-Rébus, partagez vidéo là en honneur à Edith Lefel regretté. Pas oublier aussi non, notre rendez-vous après-midi là, à partir de 10h de l'après-midi, heure de Guadeloupe, nous Kenny, Groka, Eve, Likfeta. Est-ce que nous n'y avons mouna l'antenne? Nous n'y avons mouna au téléphone? Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est bien moi, t'es en direct. Qu'en fait? Bonjour,
Bonjour. Ça va, c'est un plaisir de voir, de te voir. Ah ben merci. Tu fais ça tellement bien comme si tu savais qu'il y a X temps quand tu fais ça. Ah oui, alors présente-toi. Merci beaucoup. Je me présente Suzina. Suzina O. Oui, c'est Suzina Obertan. Je suis de Pointe-Noire aussi. J'ai vu quelques de Pointe-Noire. On vient de. Il y a un petit moment, je suis comme ça, quoi. Mm-hmm. Voilà. Suzina Obertan, artiste aussi, artiste chanteuse. Oui. Alors, voilà, Suzina, ben merci. La petite famille est au complet. Ben, oui. Sabelle, nous comptons entendre vous. Mmh. Et alors, je vois quand... Suzette, mmh. Arlette. Mmh. Oui. Alors, quand tu peux dire nous, allez, Edith Lefel, qui souvenir on est d'Edith Lefel, qui image, qui a arrêté, est-ce qu'on a écouté la chanson? Ah, ben, disons que, bon, moi, je ne la connaissais pas vraiment. Mm-hmm. J'ai entendu ces chansons, j'ai même été à son lever du corps. D'accord. Et je l'ai senti dans le monde. À son lever du corps. C'est à l'église Saint-Sulpice. Ah, ils ont décalage. Ils ont décalage dans le campagne. C'est vraiment un morceau que je n'ai pas tout en tête. Hein. D'accord. Attends. Est-ce qu'au PB, c'est retour là? Je t'écoute sur. Voilà, c'est ça. Carrément. Et donc, vaut mieux que tu écoutes sur le téléphone. J'étais là. Oui, mais c'est bon. Ah, d'accord, parfait. Nickel. Et donc, j'étais là, j'ai été le voir. Mm-hmm. Voilà. Et vraiment, ça faisait un pincement au cœur, puisque voir comment elle était. Et voilà, mais c'est pas une personne que je connaissais bien, mais j'écoutais un peu de ses chansons, quoi. Et pourtant, t'as tenu à l'époque à venir lui rendre hommage, Je me suis retrouvée sur sa tombe, même sans faire. J'étais à l'enterrement aussi, mais on voyait pas tout, donc j'ai pas pu aller au cimetière. Et je suis rentrée chez moi parce que je suis. Allô, Suzina? Ah oui, parce que c'était assez surpris, j'étais là, j'ai trouvé une place assise, j'étais là. Il y avait beaucoup de monde, des milliers de personnes à Saint-Sulpice. Et alors, quand on va arriver au cimetière, je ne verrai rien du tout, oui. Ah oui, il y a le décalage. Oui, je t'entends, mais en fait, il y a un décalage. Et donc, je te disais, Suzina. Oui, je t'entends, Suzina. Je t'entends bien. Est-ce que tout le monde qu'attend de vous? J'ai dit, bon, quand je vais déjà les gens qui n'ont pas pu venir à l'enterrement, ils sont déjà sur place. Mm-hmm. Oui. Ils sont déjà sur place. Mm-hmm. Donc, je ne vais rien voir. Je suis rentrée chez moi. Ah, d'accord. Mais j'étais là. Ah, oui. Parce que c'est un diva. C'est une personne très importante. Tu peux le dire. Une ambassadrice de la musique afro-caribéenne. Voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, ça me fait très plaisir. Merci, Suzina. De te voir. Ben, merci. Et de t'entendre. Parce que, voilà. Ben, n'hésite surtout pas. Je pense à toi là. Parce que... Oui. Ah oui. N'hésite surtout et pas à nous rappeler. C'est toujours tous ces gens-là, ils sont en train de venir et je te connais aussi de la part de Rébus. Oui, je lui dis. Oui. Comment? Oui, justement, je lui dédie cette émission à la mémoire de. Moi, je t'entends pas plus là. Suzina, mais en tout cas, on a reçu ton message. Oui, comme je dis que, tous ces gens-là, il y a comme... Ah, oui, c'est le décalage, mais en tout cas, Suzina, sache que nous avons bien reçu ton message et que nous avons bien apprécié. Oui. N'hésite surtout pas à nous rappeler lors des prochaines émissions. Je t'entends pas, mais en tout cas, ça fait plaisir de... Merci, Suzina. À bientôt en d'autres soleils. Okay. C'était Suzina Obertan, artiste chanteuse, auteure, compositrice. Et donc, nous avons dédié l'émission La Salle à la mémoire de Claudien Rébus, alias Professeur Erneg Feyamadé, et en majuscule. Et aussi, émission La Salle, évidemment, nous avons dédié à la mémoire d'Edith Lefel, regrettée. En notre message Bazote, pour monde qui... envie co-animer avec moi, quel que soit profil azote, l'âge azote, je peux venir co-animer émission là, nous qui préparer ensemble parce que c'est émission azote aussi. Belle bonjour, Nyon Mounevé, nous, bonjour. Allô? Ah ben c'est moi, ça a coupé sur moi et donc je n'ai pas fini.
Mais en tout cas, je laisse la place pour une autre qui a envie de rentrer, de te parler. Mais enfin, c'est une bonne initiative et puis une belle émission. Merci, Suzina. N'hésite et surtout pas à revenir. Tout le bonheur du monde. Bonne continuation. Merci, Onchaï. Ok, merci, Onchaï. À notre soleil. Alors là, nous sortis écouter en extrait, nous sortis tenir Suzina Aubertin, et là, nous sortis tout écouter en extrait à Petit Innocent, Edith Lefel, artiste engagé. C'était un hommage à tout petit monde qui maltraité, parce qu'un artiste, c'est la voix des sans-voix, et il était capable d'aller dans des sujets là, ça. Donc, Bois d'Ébène, c'est plusieurs rubriques, et là, nous caille adore rubrique messager. Non, excusez-moi. En tout cas, c'est émission Azote. Et donc, nous avons basote la parole, nous avons basote la voix. Et là, rubrique là, c'est dinouille, bonouille. Alors, on pose les autres deux ou trois questions en amont. Et là, on a les réponses là. Donc, nous ni Leto qui a dit nous. Bien bonjour Loïc, bien bonjour Radio Côte Caraïbe et tout Koutè et Koutè Zay. C'est Aoulette Moun Marie Galante côté Zabim. Léon Katan non à Edith Lefel, on ne peut pas oublier Joula, il laissez nous là. En 20 janvier, jour naissance à Antimoun en moins. C'est ton belle madame, chanteuse là ça, tenions pile en moi dans parole à Mizikaï. Voix était remarquable. Dommage, moi pas tenu l'occasion de voir en spectacle. Toute Mizikaï a goût en moins. Mais en y un morceau en moins, c'est promesse en nous. Si on tenait bon mémoire qui sortit en 2002, l'amour, la clé, bon sendou, en cas changé aussi. Et on l'odote, les duos qu'on raftamar, etc. Yo toutes belles. On peut pas dire plus, mais en cas garder un bon souvenir à Edith Lefel, merci pour coutation azote. Et bien c'est nous qui ka remercier au Leto pour témoignage. Nous n'yons mon au téléphone, bonjour. Ah, ok. Alors. Leto te ka témoigner si musique qui aimait et nous ni on moun qui fredonnait en chanson à contretemps, c'est Tika. Tika de Nantel Lemo qui fredonnait chanson là ça pourquoi? Parce que derrière chaque chanson il y a souvenir, il y a des anecdotes et chanson là ka ba o kasi, kasa et ben Tika bati mounay non Kasi par rapport à chanson à Edith Lefel là ça. Donc pour le monde qui veut fredonner, ça peut crier aussi. Et là, nous avons écouté extrait là.
Rendez-vous là, Justice et Paix. Après, à Iné de l'après-midi, Zoni, Claude Jean-Louis avait un auteur, une livre, une voix. Et après-midi là, à Dézé, Lick Feta, aux manettes, pour en émission 100% gros cas. Donc, Edith Lefel, c'est un monde qui sorti en lot album, en lot album, Merci en 92. D'ailleurs, premier album a essayé la clé. Rendez-vous en 96. Edith Lefel à l'Olympia en 96 aussi. The Best of Edith Lefel en 2001, Si seulement en 2002 et le meilleur d'Edith en Lefel en 2003, sans compter d'autres artistes qui rendent hommage à travers d'autres chansons. Pour Edith Lefel, si vous voulez documenter autres, Zoni des livres, par exemple, livre à Marilyn Ampini, Edith Lefel, Une flamme créole, Emeline Medina de Fès, Edith Lefel, Une vie, sorti en 2003. Et Zoni aussi des vidéos à disposition, des documentaires, par exemple, Edith Lefel, Une vie, réalisé par Eric Bassette. Bonjour, nous n'y moun à l'antenne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça te dit quelque chose, cette fois? Oui, ça me dit quelque chose. T'as-tu Suze? Oui. T'as-tu Suze, c'est qu'on se réveille nous. Alors, merci. Oui. Alors, présentez-vous, qui prénom? Hein? Suze Tribus. Voilà, de, vous croyez nous de qui côté exactement? De la région parisienne. Ah d'accord, ben nous avons l'eau chalet bas, en l'eau chalet de bouillante, soleil à bouillante. Merci, merci. J'ai ça se voir. Ah, ben, super. Quand téléphoné, moi féliciter pour cette émission, mais vraiment parfait. Ah ben merci, parfait. Merci en chalet. Ben oui. Et dis-nous justement, quand vous pensez d'Edith Lefel, qui j'ai été décrit? Excuse-moi, mais tu as représenté la femme antillaise, la femme, oui, c'était une belle personne, une gentillesse, une femme à prestance. Ah oui, ça tu peux le dire. Beaucoup de prestance. Mm-hmm. Ah oui, Edith, quand on l'avait vue, elle représentait tout pour nous. Oui, tu as eu l'occasion de la rencontrer. Je ne l'ai rencontrée pas personnellement, nous pas parlé, mais j'ai eu l'occasion de me trouver des endroits où elle était aussi. Ah d'accord. Voilà, voilà, j'ai pu, la, comme disait Kant tout à l'heure, j'ai pu me retrouver dans les endroits où elle était. Et franchement, c'était une personne que je suppose que tout le monde aimait, être à côté d'elle. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'elle dégageait quelque chose de magnifique. Et justement, qui m'a souhaité Edith Lefel, ou qu'a songé, qui m'a souhaité Edith Lefel ou bien aimé? Mon Dieu, c'est difficile, c'est difficile, oui, encore comprendre vous. Ben oui. Mais oui, parce que moi-même qui a posé la question là, on a eu du mal à répondre parce qu'on a tellement aimé chanson. Voilà, c'est ça. C'est embarrassant. C'est à qui dernier là quand il dit que c'est seulement que nous, qui était dernier titre et que nous n'y en mémoire. Mais tout mon soir était belle. En parole, en mélodie. Et comme je te disais tout à l'heure, avec ses clips, vraiment, elle te faisait voyager. La prestance, l'élégance. La prestance de cette femme, franchement, je l'ai toujours vue. Edith, elle prenait l'avion, c'est une femme toujours bien habillée, gantée, bien argentée. Mais franchement, tu avais envie d'être à côté d'elle. Une fée, femme-là. C'était une fée, Edith Lefel, la petite fée. Ah oui, franchement, je pense que c'était une belle personne pour les gens qui l'ont côtoyée de près. Ah, ça c'est formidable, voilà, voilà. Formidable. C'est tout ce que je pourrais dire de notre regrettée Edith. C'est vrai que j'avais été à sa dépouille quand ça s'est passé, mais il fallait voir cette file d'attente. On a mis des heures et des heures et des heures avant de l'approcher. Mm-hmm. Et quand on arrivait devant elle, on ne restait pas, peut-être on était à 3 minutes, hein, même pas. Et encore, ouais, beaucoup et moins. Ben oui, parce qu'elle était non l'eau, mon jour là, ça. Secondes. Effectivement. C'est vrai. On faisait la queue pendant des heures pour la voir, ne serait-ce que deux secondes. Mm-hmm. Parce qu'il fallait continuer. Mais oui, voilà. On ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il y avait trop de monde, mais c'était quand même c'était quelque chose. Ouais. Et voilà. Et quand elle a, Edith Lefel qui a reposé au cimetière du Père Lachaise, justement, lui qui était aimé, voilà. Qui était fan d'Edith Piaf, c'est même cimetière qui est Edith Piafier. C'est voilà. Chose, hein. Et au fond, stèle aussi, bah, Edith Lefel, vers 2011, et son tombe qui est toujours fleuri. Mais en tout cas, nous disons merci, on pile. Pas hésiter, revenir dans l'émission, là, hein, les prochaines fois. Eh bien, nous que revenir, hein, nous laver, ouais. Ok, d'accord. On va voir tout le monde la laver, ouais. Ben, super. Eh bien, prends soin d'eux, et nous disons à la prochaine, alors. Merci, merci. Okay, la merci. Guadeloupe. Bonjour à la Guadeloupe. Bel bonjour.
revoir. Au revoir. Donc, encore remercier tout le monde qui était là, Jodla, qui était là, qui était à écouter l'émission là. Donc, pas oublier rendez-vous là, Justice et Paix en les radios Côte Caraïbe à 11h30. Nous nie aussi Claude Jean-Louis qui cabane nous un auteur, une livre, une voix à Iné. Et nous nie aussi Claude Feta qui cabane nous bon gros cas. Oui, Luc Fetama, pardon, faut bien non, Luc Fetama, nous qu'a répété ça encore, c'est qu'il y a une émission 100% Goka en direct sur Radio Côte Caraïbe à DZ. Donc Edith Lefel, laissons le message bon nous, nous n'avons le musique à Edith Lefel, la émission là qu'elle boot à dans 5 minutes, hein, à peine. Hein. Donc, ça t'as envie de dire, c'est que encore remercier tout le monde qui a participé. Leto, merci pour le message. Didine, Dinette, voilà. Merci en l'eau. Et Edith Lefel laisse son message pour nous. Il dit nous, dans une interview avec Eden, justement, qui a salué Eden en les Télé-Sud le 12 janvier 2003. Mi message là, il laissé, sachant qu'il a quitté nous, même moi là, ça. Il dit nous, on vit dans un monde avec tellement de violence, d'agressivité, que ce serait bien que les gens se calment, que l'on se dise qu'on n'est pas là pour longtemps, de profiter au maximum. N'oublions pas, si ça se trouve, l'année prochaine, on n'est plus là, donc ça sert à rien. De profiter au maximum et surtout faites-vous plaisir et aimez-vous les uns les autres, ce sera déjà pas mal. Donc, interview réalisée par Eden. Donc voilà, un message de plaisir et encore espérer que vous prenez plaisir, je de là, en les Radio Côte Caraïbe, Radio en nous. Et campé des autres, en cabas autres, rendez-vous mois prochain, premier samedi à moi là. Et en cas des autres, prends soin des autres. Loïc Cabrion, c'est Roulez nous Kaolé. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Et nous Kaï Bout, on a un petit morceau à Edith Lefel, un grand morceau à Edith Lefel. À bientôt.
belle richesse en nous, c'est nous. Belle bonjour la famille. En Guadeloupe, en Caraïbes, là, Africa, c'est des artistes qui n'y a artistes. C'est mémoire, fondation, racine à peuple, orchestre, chanteur, tambourier, compositeur, songeyo, honoreyo. Cadence, reggae, dancehall, gros cas, begin, rap, compas, merengue, salsa, etc. Ensemble, nous allons mettre yo à l'oune. Parcours à yo, musique à yo. Bois des bennes chaque premier samedi à moi là, de 9h à 10h30 le matin, mis rendez-vous là en les radios Côte Caraïbe. Loïc Cabrion Bazotte, la radio Côte Caraïbe. Loïc Cabrion, si vous voulez nous carouler, radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous.